Rex. Est-ce qu'il va le laisser Grosjean comme devant le Kiki? Le Kiki ne va pas faire de bêtises. Pour les bêtises, Rex. Il y a le pompon. Le pompon, c'est pas le verrou pour le Kiki. Ce n'est quand même pas à toi que je vais apprendre à faire le sage. Le Kiki ne va quand même pas faire de grimaces. Mais si on fait un concours, je ne finirai pas dernier. Mais le Kiki de Coco n'a pas son papa pour lui servir d'appât quand Kiki rêve d'une papaye. Attention! Que tu me dis dans l'ordre? Rex! Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je répète dans l'ordre? Vraiment, je passe tout ici, moi. Ne manquez pas la suite des aventures de Kiki et de Coco. Tu pourrais penser à me remarier. C'est vrai, ça. Tu pourrais m'aider de temps en temps. Pas possible, ça. Regarde. Allez, apporte-moi des torchons. Je n'ai plus de papier. Ils sont dans la salle de bain. Dépêche-toi. Le Kiki de Coco veut voir ses copains pandas. Moi, je préfère encore les sages au cacatoès. Ils font moins de bruit. Et ils sont surtout bien moins malins. Ils ne nous font pas de farce. Mais avec les sages, ils sont vivants. Rex, téléphone. Et nous allons passer des vacances plus tranquilles. Mais moi, je veux m'amuser, je suis jeune. Eh bien moi, je ne suis quand même pas sénile. Ça, c'est un mot que je ne connais pas. Bah, je sais, tu connais. 2 heures à l'appareil. Ah, salut, Stockinger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé. Un meurtre dans le premier arrondissement? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Le propriétaire d'une boîte de nuit. C'est quand même toi qui as pris les billets. Mais c'est une minute. On se retrouve à la gare, si tu veux bien. Oui, mais avec ton arme. Rex! Rex, c'est pour le travail. On peut faire du skinotique ici. Ah, ça va mieux maintenant, hein?